Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche, il est 17h20. Je me suis préparée, j'ai essayé de me faire un peu jolie, j'avoue, parce que bah il y a Samuel qui rentre ce soir et que je le vois et que j'avais envie qu'il me trouve jolie. Je sais pas si ça va lui plaire, parce qu'il n'est pas vraiment habitué à me voir très maquillée. C'est pas, je pense pas que ce soit un truc qui lui déplaise, mais c'est pas forcément un truc qui l'emballe non plus, je pense. Je sais pas trop, j'en ai jamais trop discuté avec lui. Mais il a pas tant l'habitude que ça, parce que comme je suis tout le temps masquée, etc. Bah, je suis rarement très maquillée avec lui. Voilà, bref. En tout cas, moi j'avais envie de me faire jolie, de me sentir jolie. Je pense que c'était ça surtout l'idée. Et je me sens plutôt jolie. Oui, j'aime bien comment je suis habillée, j'aime bien comment je suis maquillée. Donc je suis contente, je vais vous montrer un petit peu. Pour le maquillage, je vais pas trop m'étendre. Voilà, parce qu'il y a une vidéo qui sort où il y a tous les produits et je vais en parler dans la vidéo, donc ça sert à rien de faire un répète ici après, puisque la vidéo est déjà sortie. Je vous la mets dans le petit i, c'est une vidéo avec ma copine Danisha. Donc voilà, je vais la filmer là justement, la vidéo. Donc j'aime bien le look, j'aime bien. Après, je sais que le petit bleu comme ça là en interne, ça plaît ou ça plaît pas. Moi j'aime bien, ça fait du frais. Oui, moi j'aime bien. J'ai mis le petit collier que j'avais reçu, vous savez, dans le vlog précédent de chez Emma et Chloé. Je l'aime bien, il est joli. Donc je l'ai mis comme ça avec cette petite robe. Je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu ou pas, cette robe. Ça va dépendre de ma rapidité de montage. On n'est pas sûr que vous ayez déjà vu la vidéo Shein. Sinon, ça va arriver la semaine prochaine. Voilà. Mais c'est une jolie petite robe. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer ma tenue. J'ai mis même des petites boucles d'oreilles et tout. J'ai laissé mes petites bagues. Enfin voilà, j'ai essayé de me faire un peu mignonnette. Et j'ai fait mes cheveux tout tirés comme ça avec une petite couette. Ouais. Voilà. Look du jour. Je vous montre vite fait et après je filme ma vidéo. Alors voilà, c'est une robe comme ça. Je l'ai appelée la robe Lauren Gals. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne, je trouve. Il y a des manches comme ça. J'ai rajouté cette petite ceinture-là toute fine et elle est longue. Voilà. J'aime bien avec des nu-pieds, ça fait très bohème, romantique un peu. Je l'aime beaucoup cette robe, je la trouve trop jolie. Voilà. Voilà. Petit look. Bon, maintenant Samuel, tu arrives, tu te dépêches. Il est sur la route, le pauvre. Donc, comme j'ai dit, il est sur la route. J'espère que ça va aller pour la route et tout. Il passe par la maison quand il rentre, etc. Et puis voilà. Ça va être cool. Moi, je vais en profiter là le temps qu'il est sur la route justement pour optimiser mon temps, pour filmer et après commencer un peu des montages. Donc, je vais filmer ma vidéo qui sera en collab avec Danisha et je vous retrouve plus tard. Je ne sais pas quand, puisque vous vous doutez bien que je vais profiter un peu de Samuel. Oui, j'avoue que égoïstement, j'ai plutôt hâte d'être avec lui. Franchement, j'ai hâte. C'est long là le temps. Vous savez, les dernières heures, c'est un peu long. J'ai hâte. Voilà. Je vous fais des bisous, mes petits moches. Mes petits moches, on est lundi, c'est ça? Oui, c'est ça. On est lundi, j'ai récupéré le Samuel. Je vous le montre pas parce qu'il fait gna gna gna. Il fait sa tête de bip, vous voyez? Il fait un peu cette tête-là. Je vous le montre pas. Non, ça va, mais j'étais pas prêt. T'es prêt là? Non. Tu me dis quand t'es prêt? Non, non. Là, sa tête de je suis fatiguée. Bref, on va se bouger là parce que bah, j'ai bossé aujourd'hui, je suis éclatée, hein, mais. On va se bouger, on va aller à Jardiland puisqu'il faut que j'achète des choses pour ma lapine. Et au final, j'ai réussi à poser mon mercredi aussi, donc on part plus tôt, on part demain. Puisqu'on a, enfin, j'ai posé. Mon père, c'est compliqué cette histoire. J'ai posé mon mercredi au dernier moment là, et on a contacté la personne du Airbnb et elle a accepté qu'on arrive plus tôt. J'envoie un message. Pourquoi faire? Je sais pas encore. Il m'angoisse, il veut envoyer des messages à tout le monde, il veut communiquer avec tout le monde. Arrête de communiquer avec les gens. C'est l'effet camping, ça. Montre-toi un Non, peu. mais j'ai les cheveux rasés Oui, complètement. est-ce qu'on aime ça ou pas? Et On encore, n'aime pas du tout, hein. ils ont beaucoup repoussé. Je suis ouais, grave, heureusement. Oh non, moi je suis triste, t'aimais bien avec tes cheveux. Allez, c'est bon. Allez, il est bon. Bon, on se bouge. On va à Jardiland. Il met ses chaussures. Passionnant. Ça, c'est le vlog Je de la mets mes passion. chaussures. Hein. On peut pas raconter ça sur YouTube. On raconte ou pas? On peut. On raconte alors parce que c'était drôle. Il avait chaud en rentrant. Ça c'est. Bref, c'est pas grave. Il avait chaud en rentrant et il commence à se dessaper. Il enlève son t-shirt et tout. Et il fait j'enlève mon t-shirt et tout. Et je fais ah ouais, comme le grand méchant loup, tout ça. Sauf qu'en fait, pas du tout. Dans la chanson du grand méchant loup, c'est l'inverse. Le loup, il s'habille. On a capté après. Ça fait loup pervers.
pour ça qu'il me dit je mets mes chaussures comme ça. Bref, ça fait rire que nous, je crois. Mais c'est pas grave. Bon, on y va. On trace. Et puis après, je vais aller manger des frites parce que je veux des frites. Allez, go. Go, go, go. Bref, on va à la gare. Dernier jour de boulot. Hier, on a eu un peu une angoisse parce que j'ai une collègue qui m'a appelée pour me dire bah finalement, en fait, mercredi, c'est pas possible et tout. Alors que j'avais déjà tout changé la réservation. Donc, c'est quand même 80 euros en plus, quoi. Et au final, en sachant que j'avais réservé, elle m'a trouvé une solution, quoi. Donc, heureusement, mais au dernier moment, genre, on me rappelait, quoi. L'angoisse. Est-ce que c'était l'angoisse, Samuel? Bah, t'es un peu stressé. Regarde, tellement quoi. T'es grand. Non, mais t'es trop grand, regarde. Si je veux te cadrer, on voit que mon pif. C'est pas marqué l'heure de l'enregistrement. Là. C'est écrit là, 5h58. Ah oui. Ah oui. Il est fatigué, il n'est pas lavé. Voilà. Il me fait, oh, non, mais tu me filmes pas, je suis pas lavé. Il me fait, est-ce qu'on peut faire des gros plans sur YouTube? Non, on peut pas. Non, mais je rêve. Arrête. Bon, allez, je vais bosser. Non, on va pas attendre de sortir de cette rue. On est dans une rue avec des travaux, donc ça risque de faire comme ça. Mais c'est pas grave, vous êtes habitués. Samuel, le technicien de vlog, a remonté les vitres. Il fait trop rire. Enfin, attends, faut remonter les vitres si tu vlogs. J'espère qu'on part dans le bon sens. Arrête, commence pas. De Saint-Georges, bon. Il y en a plein. C'est vrai, en plus. On a tapé Saint-Georges, j'en avais plein. Je lui ai dit, t'es sûr, c'est celui-là? Il me fait, oui. C'est pas très convaincant, tout ça, il me fait peur. Mais si t'as vérifié, c'était Hauts-de-France. Là, on repart vers Créteil. Hein. Il y en a pour 2 heures. Ah non, mais je savais pas que... Qu'on te voyait. Attends, 2 heures, combien? Parce que j'ai remarqué que je me tiens comme ça, tu sais, comme... Mais vous le verriez quand je fais les montages des vlogs ou quoi, ou quand il se voit en vlog, il est insupportable. Pire que moi. Est-ce que t'es insupportable? Non, je suis bien comme tu ça. Tu sais que tu vas te critiquer là, parce que t'as vraiment une tête bizarre. Ah non, mais merde, il faut que je descende au siège. Fatigue. Ah. Combien de temps on met, Samuel? 2h35. 240 km. Allez. Là, c'était 178 tout à l'heure, je comprends pas. Oh là là, tu me stresses. Oui, il y a des travaux, hein, je vous l'avais dit. Voilà, il va falloir qu'on remette le GPS. Hein. Tu crois que c'est pas bon? C'était 178 tout à l'heure. Oh là là. Bah, enlève, remets alors. Ça me fait peur ton histoire. C'est un peu flippant. On va se retrouver à Tombouctou. Bref, on est en route pour les vacances. Je t'ai pas dit, mais ça paraît logique. Et quand même, juste avant de partir en vacances, qu'est-ce que j'ai signé au travail? On va pas savoir ce qu'on a signé, on va se concentrer sur le GPS non, qui va pas marcher. Allez-y, je pars. Allez-y, on est plusieurs. Je suis toute seule. Ça charge pas, regarde. Pourquoi ça charge pas? Je trouve plus Saint-Georges. Bah, je vais pas vous dire ce que j'ai signé. On peut pas partir, on sait pas où on va. Putain. J'ai signé mon CDI. Voilà. Au travail, c'est dit. C'était super rapide. Hein. Ouais, c'est une annonce de merde. T'as tout gâché avec ton GPS qui marche pas. Mais en tout cas, je suis trop contente. Et les filles qui travaillent avec moi, elles sont contentes pour moi et tout. Donc, c'est cool. Bon, en tout cas, on est un peu en angoisse. Donc, je vais vous laisser. On va se concentrer sur la route. Bon, je vous ai repris vite fait. Mais vite fait. Le GPS a refonctionné, mais on est quand même à 240 km de là où on va. Ça va, 2h30. Bref, on a hâte d'arriver. Je vous montrerai un peu le gîte et tout. Je pense que ça va être cool. Il avait l'air super beau en photo. On verra. Mais en tout cas, c'est le bordel là. Il y a grave du monde. C'est parce qu'il y a une... Ah, il y a une voiture en panne. Véhicule en panne écrit. Bon, bah, ça devrait aller mieux après. On verra bien. Il fait très chaud sur Paris. Très, très chaud. Et on a un CDU. On est contente. Heureusement qu'il y a cette nouvelle parce que sinon, ça serait pas passionnant. Ça a été rapide, hein, le CDI. Hein. Oui, franchement, j'ai eu de la chance quand même qu'il me propose un CDI là et tout. Ça fait quelques jours que je le sais, mais j'ai rien dit tant que j'avais pas mis ma signature sur le contrat. Et là, ça y est, j'ai signé, donc je suis hyper contente. Voilà, je suis officiellement en CDI, secrétaire médicale. On est contente. Oui, on est très contente. Je suis ravie. J'ai de la chance quand même. Beaucoup de chance. Bon, on va faire la route. On joue à celui qui trouve le plus de chansons, histoire que tu perdes. On va voir. On aime bien faire ça sur la route. On met des chansons. Et c'est le premier qui trouve, il a un point. Sinon, je chante et t'essaies de trouver des chansons. C'est pas chiste de le faire en vlog, t'assumes pas du tout. Parce qu'il chante trop mal. C'est pas pour te dénigrer, hein, mais c'est un peu la vérité. Ou non? T'as une mauvaise oreille, je pense. C'est moi qui ai un problème d'oreille? Chante une petite chanson. Non. Chante très faux. Chante très très faux, c'est une catastrophe.
Donc effectivement, c'est un challenge hein, de retrouver les chansons qui chantent. Hein. Des fois, j'y arrive pas du tout. Bon, on est parti! Moche, on est bien arrivé. On est là en fait du coup à Saint-Georges au niveau du gîte et on est parti direct parce qu'on avait réservé une crêperie à Berck. On est à Berck. C'est bizarre ce nom, Berck. Bref, là on va vers la plage, on a mangé la crêperie, ça s'appelait Rue Gourmande, un truc comme ça. À la rue, un truc comme ça. C'était super bon, très simple, il n'y a pas beaucoup de choses à la carte, mais c'est vraiment bon, on a bien mangé. Samuel, il s'est déglingué le bidon, je vous le dis. Il en a foutu partout en plus. Il a commandé deux salés. À chaque fois que de la salade, il me l'a foutu plus par terre que dans sa bouche. Oh, c'est la vérité ou pas? Non, c'est faux. Oh, menteur. J'en ai mis que deux morceaux par terre. Ouais, deux gros morceaux, plein de sauce. La honte. J'ai dû laisser un pourboire au serveur. Non, je rigole, je l'aurais laissé quoi qu'il arrive. Il était très gentil. Gentil, ouais. Ouais, très servial. Et en plus, on a rencontré des gens du coin. Oui. Des gens qui bossaient dans le coin et qui du coup aimaient bien cette crêperie et tout, nous ont dit que c'était super bon et c'était vrai, c'était hyper bon. Donc voilà, là il y a une grande roue à Berck. Je vais vous montrer la grande roue. Oh là là, il y a une ambiance à Berck. Ouh, c'est l'ambiance Samuel. Hein, oui, c'est clair, il a trop bouffé. Il a bouffé deux crêpes salées, deux. Une seule, ça lui suffisait pas. Plus les miennes aussi, hein. Il a fini toutes les miennes. Hein. Incroyable ce garçon. Ah mais il y a une ambiance, jeu de lumière et tout, vous voyez pas, mais c'est quelque chose. Hein. Est-ce qu'on voit un petit peu la plage de Berck? En tout cas, c'est du sable. Et la mer, elle est loin, 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 loin. Ça a l'air trop mignon, hein. De toute façon, on voit les phoques, là. Mais non, on voit pas les phoques. Ils me cherchent parce qu'on sait pas si on va voir les phoques. Hein. A priori, c'est dur. Moi, je pense qu'on les verra pas. On verra. On espère qu'on verra les phoques. En tout cas, c'est Berck. Et puis, il y a un spectacle de danse avec les stars là-bas, là. Vous voyez rien. Si, voyez pas. Voilà, là-bas. Ici. Et ça m'énerve. Et Samuel, il me dit, tu vas parler de ton truc. Ça m'énerve parce qu'ils font de l'animation de camping. Ils font danser les gens, mais ils font danser des gens en mode camping. Genre, voyez le cocktail, bah vous secouez le cocktail. C'est nul. Franchement, c'est tout pourri. C'est des danseurs qui sont professionnels, leur faire faire de l'animation de camping, je trouve que c'est gâché quoi. Mais bon, ça doit être dans leur contrat, ils ont toute la tournée en France là, ils doivent faire ça. Bref. En tout cas, on les a vus un petit peu danser tout à l'heure avec des super portées et tout, c'était hyper beau, il y avait Fovoto et tout, c'était trop bien. Mais bon, l'animation camping, on valide pas. Chante un peu. Je t'aime comme un fou. Comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Il n'est pas comme ça le je t'aime dans cette chanson. Bien sûr que non. Ah bah ça va me faire tout drôle que j'ai raison. C'est je t'aime comme un fou, comme un soldat. C'est ça. C'est pas je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. C'est beau ce que tu fais. Tu sais que je suis en train de filmer? De toute manière, tu vas couper au montage. Non.
Bonjour. Si sur... Non, Vas-y, fais celle-là. Ah non, mais je me rappelle même plus. Assis sur le sable. Les yeux dans l'eau. Ah putain, mais attends, je sais que tu fumes, j'arrive plus. Assis sur le sable. Les yeux dans l'eau. Mon cœur était trop beau. Ça doit être ça, les paroles. Ouais. Il était sur la plage. Tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire. Il va m'engueuler parce que je chante. Ah oui. Je chante, tu me perturbes. C'est dommage, on n'a pas le visuel. On est très triste, on n'a que le son. On va venir te voir. Bon. Mes petits moches, on est mercredi matin, je suis en train de me préparer dans l'espèce d'espace bureau, c'est trop sympa, il y a un petit miroir, enfin me préparer, en fait j'ai juste mis du mascara, je pense que vous verrez, c'est pas une grande préparation, rien en fait, j'ai juste mis du mascara et j'ai mouillé mes cheveux, on est content. On va vous montrer vite fait le logement, parce qu'on est en train de s'installer, donc il y a déjà du bordel partout, donc plus on attend, plus il y aura du bordel, et moins ça sera cool de vous montrer. Mais il est hyper mignon, c'est petit, mais tout mignon, franchement c'est trop chouette. Avec donc, tout ce qu'il faut. Avec tout ce qu'il faut, il a dit Samuel. Donc on va vous montrer ça vite fait, bien fait. Ouais, c'est vrai qu'elle avait mis du... Ouais, serviette, shampoing. Café, ouais, avec la machine. Thé. Trop mignonne. Même quand on est arrivé, il y avait une bouteille, on n'a pas goûté encore. Bouteille de trucs pétillants. De rhubarbe. Rhubarbe. Trop mignon, avec les coupes et tout. Trop choupinette. Enfin, ils sont vraiment gentils, Donna et Nick. C'est des Américains, je pense. Tu leur as demandé s'ils étaient Américains ? Bah, pas besoin, je crois. Hein. Bah moi je vais demander, hein. Si jamais ça se trouve ils sont anglais, mais non. Je crois pas, moi je crois qu'ils sont américains. Américains. Ouais je crois, genre Samuel il connaît les accents américains et anglais, on adore. Ah bah c'est fait différence. Bref, je vous montre un peu tout ce qui se passe dans le logement là, et après nous on bouge, on va à Saint-Valéry. Demain il fait 29. Ah tant mieux. Tant mieux, il va faire beau. Je vous montre vite fait mes petits moches. Donc là je suis à l'intérieur du logement, et quand on sort on a une cour comme ça. C'est trop mignon, regardez ce qu'ils ont fait là. Trop chou, il y a de quoi fumer pour Samuel, mais prendre le café ou quoi si on veut le matin. Vous voyez, la cour. Putain, ils chantent encore, on n'en peut plus. Voilà la cour. Et je vais me tourner, hop. Je vais sortir, me tourner. Et voilà la petite porte du logement, comme ça. Là, c'est le carrelage, tout ça. On rentre, on a notre bordel, évidemment. Faites abstraction du bordel. On rentre, on a un petit salon, canapé, une table. Et ça, c'est fait en pneu. C'est un pneu, le machin. Tout est du pneu. Je vais vous montrer de plus près après. La petite télé, etc. Le coin cuisine qui est hyper mignon, hyper bien fait. Et cette partie-là, là, l'espèce de coq, là. Est-ce que vous voyez que c'est un coq? Parce qu'on va en reparler du coq après. Sur d'autres sujets de coq et de poule. Mais la partie coq-poule, là, ça peut s'allumer. Donc le soir, on peut juste allumer ça. Plutôt que tout l'espace. C'est vachement bien. C'est assez mignon, franchement, c'est très mignon. Là, c'est l'espace où j'étais juste avant sous l'escalier pour me préparer, tout ça, voilà, c'est trop bien. Donc ici, c'est la salle de douche. A priori, c'est eux qui ont fait tout le carrelage, tout ça, je crois, de ce que j'ai compris sur le descriptif de l'annonce. Parce qu'ils font du raku, je crois que ça s'appelle. Je sais plus le nom. Mais en gros, c'est de... Comment ça s'appelle? La faïence? Non. La quoi? La céramique, voilà. Et bref, c'est eux qui ont tout redécoré. Je trouve ça hyper bien fait, hyper mignon. Donc, les toilettes. Là-bas, on a la vasque et tout. Est-ce que vous voyez? Pas trop. Voilà, là, on voit un petit peu mieux. J'aime bien les espèces de poissons là, en frise. Je trouve trop joli. Il y a un miroir, mais alors il est placé pile poil pour pas que je me voie. Voilà. C'est-à-dire que là, dans le téléphone, je me vois. Mais en vrai de la vraie, je vois que cette partie-là de mon corps. Mes cheveux. C'est tout. Après, douche, comme ça, hop, toute carrelée, voilà, hyper sympa. Et en face, on a l'escalier pour rejoindre le Samuel, on va y aller. Ah bah non, on arrive Samuel. Non, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu couines? Non mais je veux te laisser faire mon truc. Ah, t'es beau. Je coupe pas du tout, t'es beau. Non. Si. Je vais faire comme Stanislas, je vais bien présenter. Tu es ton Stanislas, vas-y. Bonjour, petit moche. Bref, quand on monte ici, on arrive là. Et c'est trop beau, regardez, j'adore là les vitraux, ils sont canons. Et c'est surtout les poutres que je kiffe dans cette pièce. C'est trop joli, la chambre elle est vraiment belle. Attendez, j'essaye de pas me casser la gueule. Je veux ça, moi. Pas qu'on se dispute, parce que si quelqu'un qui se prend.
pas qu'on se dispute, mais quoi. Ça fait très mal, ça. Bah ouais, ça peut faire très mal, c'est clair. Donc voilà, le lit. Samir, il a refait le lit, il est trop mignon. Et j'adore les lampes de chevet. C'est très mal fait, Samuel. Non, t'imagines l'horreur, l'angoisse. Attends, je passe. Attends, je passe. J'adore. Là, c'est un rappel, je trouve, la lampe avec le drap et tout. Je trouve ça trop beau. Oh, les poutres, elles sont canon. Enfin, voilà, la pièce, elle est vraiment très, très belle. J'espère que vous verrez correctement. Mais c'est pas dit. Je risque de vous donner envie de vomir. Je sais pas faire les room tours comme ça, moi et tout. Bref, j'adore. Elle est trop belle, cette pièce. J'aime trop. Et j'adore aussi les lampes de chevet là-bas. Est-ce qu'on C'est voit? pitié quand on va pipi, que les gens ils pipent. Je raconte ça. Attends, je raconte après le pipi. Regardez, la lampe de chevet. Elle est trop jolie. Hop. On adore. C'est beaucoup trop beau. J'aime trop ça. J'aimerais trop trouver pour ma future maison. J'aime trop, trop, trop. Un truc comme ça. J'adore. Non, on va pas y avoir de montage. Parce que le pipi, on va raconter le pipi. Samuel, hier, on arrive. Viens là, t'es où? T'es là. Hier, on arrive, il a trois marches en dessous de moi pour arriver à peu près à la même hauteur pour le cadrage. On arrive, il me dit faire pipi. Bon, il va faire pipi et il y avait cours de raku, là, je sais pas quoi, je vous ai dit, l'espèce de faïence ou je sais C'est pas trop quoi. si j'ai bien compris, c'est pour que faire cuire la faïence Ouais, que ça aille plus vite. céramique beaucoup plus rapidement. Ouais, pour la procédure, elle est plus rapide. Bref, il va faire pipi et il y avait une dame et notre couple qui nous reçoit. Et il me dit, oh, mais il voit tout, elle est en train de me regarder, la dame. Il me fait, attends, je détourne le regard et tout. Je vais voir, il était comme ça. Je faisais pipi en fait sans regarder quoi. Je lui dis, la prochaine fois, tu feras pipi assis. Et il me fait, mais oui, j'ai songé, mais c'était trop tard, j'étais lancée. Pas très passionnant, hein, je suis désolé, mais Ce vlog va être passionnant, on le sent que ça va être c'était magique ce vlog. original. Ouais. T'étais hyper gênée, tu m'as trop fait rire. Bref. Bah, c'est pas évident. Limite, elle me fait un sourire alors que je suis en train de Ah faire non, bah là, elle pipi. cherche la merde, alors. Mais non, mais pour être gentil, Pourrais-je... mais elle sait Ouais, peut-être pas que je d'accord, suis en ouais. train de faire pipi à ce Mais non, mais moment-là. elle sait pas que tu fais pipi, c'est clair, elle voit pas, parce qu'il faut préciser, elle voyait que ta tête. Tu crois qu'elle savait que tu faisais pipi? Moi, je sais pas. Ça se lisait pas dans ton regard que tu faisais pipi. Non, je pense pas. Bon, allez, on bouge. On va à Saint-Valery, c'est ça? Saint-Valery et la pointe de Putain, on sait jamais. Ourdel. Ourdel pour les phoques, Oui. puisque la marée basse, elle est à 18h, 18h. enfin 20h, mais du coup, à 18h, Ouais. elle descendra encore. On espère, on va voir les phoques. Genre comme à la marée basse, ça montre les Bancs de sable. bancs de sable. On se dit que les phoques, ils vont se pointer. On Mais va c'est voir sûr, si hein. Il y en on va aura voir une. plein même. Arrête de me Non, faire non, mais rêver d'un si, truc et qu'il si. n'y aura pas de phoques. Si, c'est sûr. On va voir. J'espère qu'il y aura des phoques, hein. Là, tu vas les filmer. Oui, on va filmer les phoques, j'espère. Bon, allez, on se trace parce que j'ai la dalle de ouf en plus. Alors, on va encore manger comme des porcs, là, c'est sûr. On aime bien cette expression? Non, manger comme des gros, manger comme des porcs, on déteste ce genre d'expression. Mais on C'est les à cause emploie de quand moi, même. ça. Manger comme des porcs, c'est toi qui dis ça, ouais. Mais j'aime pas du tout à la base. On en reparlera si vous voulez des expressions que je déteste. Celle-là, je le déteste. Bref. Je vais te filmer en train de faire ça, tu vas voir, ça va te dégoûter de toi-même quand tu vas te voir. Sinon, je Vous chante. savez ce qu'il fait? Il fait ça. Non, arrête. Genre, je suis beau gosse. Mais non, C'est mais c'est de la horrible, non? connerie. Ouais, refais, vas-y, Non, non, assume. non, 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 je chante. Des Là, bêtises. t'assumes pas du tout, hein, c'est Non, mais clair. qu'est-ce que je Allez, on fais? y va, on se casse. Avec ironie. Avec ironie, ouais. Le roi de l'ironie, Samuel. Bah, vous connaissez mes talents de vlogueur, mais comme Elodie, elle m'a obligé à filmer ça parce qu'elle a oublié de le faire. Donc ça, c'est assez original parce que c'est une table basse, mais c'est en pneu en fait. C'est de la matière, c'est du pneu quoi. Même les pieds là, c'est assez joli quand même. Enfin, c'est plutôt original. Tout est en pneu. Et à mon avis, le plateau là, c'est de la céramique qu'ils ont dû faire eux-mêmes. J'en suis presque sûr. Voilà. Écoutez, je pense que ça n'apparaîtra pas dans le vlog parce que c'est tellement mal filmé que. Allez, à plus. On est arrivé à Saint-Valery. Samuel, il regarde pour le parc-mètre. On verra, mais ça a l'air très très beau. Bah, longtemps, je pense qu'on va rester. La cathédrale, je crois, ou l'église en tout cas. Je crois que là-bas, il y a la... Bah, on mange et tout, je sais pas.
Là-bas, là, je crois qu'il y a une jolie porte médiévale. Bon, on va aller voir, je vous montrerai. On a mangé là. Je vous mettrai quelques images juste derrière. C'était mais hyper, hyper bon. J'ai mangé un plat végétarien parce qu'en fait, vous voyez, c'est une ardoise comme ça qui change tous les jours. Et sur l'ardoise, il y a un... Il pleut, hein, par contre. Un plat de viande, un plat de poisson et un plat végétarien. Donc déjà, je trouve ça hyper cool. Merci l'église. Elle a fini. Et c'était vraiment mais tellement bon quoi. Les associations de goûts, c'était incroyable. Moi, il y avait une espèce de petite glace tomate basilic hyper bonne. Il y avait une tomate farcie au quinoa hyper bon. Et une salade comme ça, de salade froide de courgettes avec du fromage. Archi bon, mais archi bon. Et Samuel, t'as mangé le poisson? Attends, faut que je mette mon masque. Mets ton masque. Mais tu fumes, tu peux pas mettre ton masque en fumant. Ah oui, c'est vrai. C'était trop bon, ouais. Je sais plus ce que j'ai mangé, mais c'était tellement bon. C'était du lieu, je crois. Ouais, du poisson, du lieu. C'était du lieu et aussi les desserts. Oh, attends, je suis obligée d'enlever mon masque. Les desserts, oh, mais c'était incroyable. J'ai pris une tarte fraise avec la crème pâtissière. Elle était super bonne. La pâte, oh, tellement bonne la pâte de la tarte. Et lui, il a pris deux desserts parce qu'un seul, ça suffisait pas. Mousse au chocolat, elle était bonne, mais ça reste une mousse au chocolat. Je trouve pas que ça soit transcendant pour une mousse au chocolat. La maison, voilà, bonne mousse au chocolat, bon, ouais. Voilà, très bonne. Et alors, la tarte au citron meringuée basilic. Ouais, c'était original. Franchement, je mange, tu sens tout le basilic, et après, t'as tout le citron qui arrive en bouche. Chaque bouchée, c'était un peu magique, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'était trop bien. Bon, il pleut fort quand même, là. Je vais sortir le parapluie, je pense, non? On va faire ça. On va faire ça. On est bien sous le parapluie, on est bien. C'est vraiment mignon hein, comme petite ville. On va aller faire un tour là sous la pluie, on s'en fout. On va aller visiter un petit peu Saint-Valéry. On a visité un petit peu l'église à l'intérieur. C'est hyper beau, il y a très beaux vitraux. Enfin, c'est une église quoi. J'aime beaucoup moi visiter les églises, je sais pas, ça m'apaise. Très très joli, mais il pleut toujours. On a cru qu'il allait arrêter de pleuvoir, mais non. Et là, c'est une espèce de porte, je crois. En tout cas, c'est hyper joli. On va aller voir. Voilà. On va aller voir là. C'est trop beau. C'est très médiéval, hein. Et il pleut. T'es où, le Samuel? Il est là. Je sais pas si vous verrez ici, mais là-bas c'est le haut en fait où on s'est garé un peu plus loin. Je pense que ça doit être joli. Mais bon, il pleut à mort, donc peut-être qu'on reviendra quand il pleuvra pas. On va voir. Ça, c'est des portes de Saint-Valéry. C'est trop joli. En fait, là c'est la porte de Nevers et a priori il y a plein d'autres endroits à visiter. Et là où il y a des petits trucs comme ça doit être panoramique. À voir. Là on est, je sais pas trop où, mais en gros, ça c'est la baie de Somme, on va dire. Mais il fait tellement moche, c'est dommage. Parce que ça a l'air beau. Ça a l'air très très beau. Regardez. Bonne balade à faire là, mais on reviendra quand il fera beau. Oui, on reviendra quand il fera beau. Bon, on est dans la voiture, on va regarder ce qu'on va faire. Alors, on sait ce qu'on va faire. On va à la pointe d'Ourdel pour aller voir les phoques. Mais s'il pleut comme ça va être chiant. Ah, il y a Weshden qui a sorti une nouvelle chanson. Coco. C'est quoi le nom? Je vois rien. Coco, oh, merde. Coco. Coco, faut qu'on regarde ça. Weshden a sorti une nouvelle chanson. Weshden, c'est na 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 na. Non mais c'est pas bien apparemment chanté. Apparemment tu m'aimes pas. Autre que t'aimes. C'est pas ça? Si si. C'est ça. On va regarder. Tu es hors de ma vue. Tu es hors de ma vue. Bref, on aime bien. Enfin on aime bien. Non on aime pas, on mais aime pas, c'est une chanson de la honte qu'on écoute quand même. Fais pas genre on l'écoute pas, on l'écoute. Surtout avec les garçons, on l'écoute. Les garçons les connaissent par cœur. Bref, on s'en fout de Weshden, on va regarder ce qu'on fait. Samuel est décidé, mais moi je ferais bien. C'est ça. Ouais, on voit. Moi je ferais bien un truc en intérieur s'il pleut.
Ouais, non, mais faut quand même aller voir les phoques, là. Ah ouais, mais c'est sûr, mais qu'il est que 15h35, garçon. Les Ouais. phoques, tu m'as dit 18h. La marée basse. Entre 18h et 20h, ouais. Donc, on a un peu de temps. Ouais, on a un peu de temps. On va voir, on va voir. On va regarder la météo aussi. Mes petits moches, on est jeudi matin et il fait super beau pour l'instant, donc on va un peu kiffer parce qu'hier c'était une catastrophe. On est dans le jardin là, c'est beau, hein, j'avais encore jamais été. Je vais aller voir. Du coup, bah, je vous emmène avec moi pendant que je vais aller me promener. C'est vraiment trop mignon leur maison, elle est belle, elle est simple et belle, j'aime bien. Et donc hier, bah, on a été au resto au Vélicopède, je sais pas comment ça se dit, Vous aurez vu les images, on vous en a parlé, c'était vraiment super resto, vraiment vraiment. Si vous allez dans la baie de Somme, côté Saint-Valery, allez à ce resto, franchement, je trouve qu'il est vraiment très 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 bon. C'est pas idonné, c'est pas donné donné, c'est pas non plus hyper cher, mais pour la qualité de bouffe, hein, franchement, c'est vraiment top. Je crois que j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Je crois, hein. Après, j'ai pas fait des restos de dingue et tout, mais pour ce prix-là, j'ai vraiment super bien mangé, quoi. Et je suis difficile comme meuf en termes de bouffe, donc ouais, vraiment top. Et après, il a plu, il a plu, il a plu, il a plu. Donc on a fait l'église qui est à côté du resto. On est passé sous les portes, tout ça. On a été jusque la baie, quoi. Et c'est tout. Et voilà, parce qu'après il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il faisait que pleuvoir, donc on est rentré. On a fini par rentrer. Avant de rentrer, on a été à la pointe d'Ourdel pour voir comment c'était et tout, et pour voir si la pluie se calmait. On avait espoir, mais il n'y a pas eu moyen. Mais ce qu'on a vu du coup sur place, c'est que les guides attendaient. Et du coup, on s'est renseigné et on a réservé une visite guidée pour aller voir les phoques en fait, avec un guide. Justement en partant du phare de la pointe d'Ourdel, et on a du coup rendez-vous samedi. Donc j'espère qu'on verra les phoques et qui surtout qu'ils pleuvent pas. Parce que déjà je pense qu'on va niquer nos Air Max. La meuf pense à ses chaussures, bah un peu quand même. Je pense qu'on va bien niquer nos pompes, mais si on voit les phoques, ça me va, vous voyez. Mais là il pleuvait tellement hier, les gens ils avaient, vous savez, les caouets sacs poubelles, ils avaient ça. Je me dis, on se dit avec ça, on va mettre des sacs poubelles hein, s'il pleut, hein, puisque là c'est l'angoisse. Pour l'instant, là, il pleut pas et aujourd'hui, on a réservé aussi pour 14h. Là, il est midi. On va manger et après, on part en fait. On a réservé pour 14h d'aller au parc Marcanterre, je crois que ça s'appelle. Mais je suis pas du tout sûre de moi. Vous allez voir après, d'accord? Me jugez pas sur mes erreurs des villes et tout. À chaque fois, je vous montre. Donc, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque je vous montre après. Donc, après, on va faire ça. Et je vais vous montrer quand même ceux qui nous réveillent tous les jours entre 5 et 6 heures. Ces putains de poules et de putains de cols. Vous avez entendu ou pas? Ils sont là. Regardez les petits bâtards. Et il fait des bruits de ouf. Vous entendez ces bruits ou pas? Ils me font peur. Il y en a là et il y en a chez les voisins et tout. Et ça communique. Et les chiens, ils répondent aux poules et tout le matin. Il y a une ambiance, ambiance ferme. Mais ça va. Moi, j'arrive encore un peu à me rendormir ou quoi. Jusqu'à présent. On verra demain. Mais je savais pas qu'elles étaient là, les garces. J'étais pas encore venue. Regarde. Oh là là. Elle me parle. Je vous jure. Elle me parle trop. Je m'approche. J'ai peur un peu, mais. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Eh, soyez gentils, hein. Non, elles vont se battre. J'ai peur. J'ai peur des oiseaux quand même. Et je viens voir les poules. Je me force. Faut un peu peur. Je viens voir les poules. Et surtout, on va au parc, je vous ai dit, la Marcanterre, je crois que c'est, mais je suis pas sûre du nom. Et c'est un parc avec des oiseaux, quoi. Mais il y a le côté réserve naturelle et tout, balade. On va faire, je pense, la balade de 4 km. Il y a deux balades, genre. On va faire la balade 4 km et on va observer les oiseaux. J'ai peur d'eux. Je sais pas comment ça va se passer. Mais je me dis, il faut un peu se forcer, non? Et puis ça a l'air d'être le truc trop bien à faire ici. Donc si je le fais pas, c'est un peu nul. Donc voilà, on va faire ça cet après-midi. Puisqu'a priori, il va repleuvoir, mais vers 17h. Donc on espère qu'on aura le temps de faire la balade comme ça, tranquille, au sec. Après, il pleut. C'est pas grave, on ira manger un truc quelque part, je pense. Je sais pas, on verra. Et puis on se posera tranquille, hein. Hier, on s'est posé tranquille. Oh, c'est beau. On adore. J'adore ce coin. Hier, on s'est posé tranquille à la maison, du coup, et c'était très très bien. On a passé des bons moments, on a vraiment déliré comme d'hab, on a bien rigolé, c'était top quoi. Donc c'est pas un problème. Mais j'avoue que s'il continue de te faire beau comme ça, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui, hommage! Salut les moches! Mon t-shirt, salut les moches, le undies qu'on m'a offert. J'aime trop. Salut Minou! Oh, tu vas apparaître dans le vlog, petit Minou? Salut! Oh, les mignons! T'es trop mignon toi!
Oh, il est choupinette! J'adore! Il est trop mignon, il vient chercher des câlins. Oh, il est trop mimi. Franchement, on est trop bien reçus. Même nos hôtes, là, ils nous ont ramené des tomates, là, du jardin. Je vais faire ça, là, ce midi. C'est trop gentil, je trouve. Trop mignon. Ils sont vraiment hyper gentils. Et ils sont pas américains. En tout cas, elle, elle n'est pas américaine. Elle vient de Nouvelle-Zélande. Et je savais pas où c'était. J'ai regardé. Et en fait, c'est pas loin de l'Australie. Je savais pas. Voilà, je m'informe, je me cultive. Allez, je vais faire à manger. Est-ce que ça, c'est pas trop mignon? J'avais pas vu cette fontaine. J'adore. C'est beaucoup trop joli. J'aime trop, ils ont tout refait eux-mêmes et tout. Moi, je trouve ça trop beau. Les gens qui ont du talent comme ça, c'est canon. Mais regardez qui voilà! Le Samuel qui fait son stan. C'est beau! Voilà, comme d'hab, petite salade. Donc en dessous, il y a des tomates du jardin. On les voit, ils sont là, ils sont cachés. Salade, petit dé de fromage. Comment c'est? J'ai jeté la boîte. Mais c'est aux noix, du boursin. Boursin salade, tout ça aux noix. J'aime bien mettre ça dans les salades, c'est super bon. Voilà, petit pain. Il reste un peu de radis avec du beurre ou quoi si on a envie. Et avant de partir en vacances, là, j'ai vu que j'avais reçu un colis, donc je l'ai ouvert. Et c'est un parfum Sephora que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque et du site Octoly. Parce qu'ils vont sortir comme ça, des eaux de parfum Sephora. Et donc j'en ai choisi une, ils ont accepté de me l'envoyer. On va tester, je vais mettre ça aujourd'hui, là j'ai pas mis de parfum exprès. Mais je voulais déjà vous montrer un peu la boîte et tout, je trouve ça hyper simple, sobre. C'est joli, hein? Do not drink, il s'appelle le parfum. Parce que genre on a envie de le boire tellement il sent bon et tout et tout. Cassis passion, je pense que je vais aimer que ça va être très fruité et tout ça, j'espère en tout cas. Un peu acidulé peut-être. Voilà, en tout cas ils disent voilà, 87% d'origine naturelle, fabriqué en France. J'ai l'impression que Sephora fait des efforts un peu quand même sur ce qu'ils font. Alors je pense que c'est encore loin d'être parfait, mais je pense qu'il y a quand même des gestes qui sont faits par rapport à avant qui sont un peu mieux. J'ai l'impression. Ils nous disent quoi? La fraîcheur verte du bourgeon de cassis est mixée avec la chair juteuse et acidulée du fruit de la passion. Il y a comme un air d'exotisme dans ce parfum joyeux vitaminé. Je pense que je vais aimer, j'espère. Je l'ouvre et on va sentir l'histoire. Puis on fera sentir à ça, mais s'il aime ou s'il aime pas, on va vite le voir. Moi, je vous le dis. Alors, j'ai enlevé le plastique et en fait, ça se pousse comme ça. C'est sympa, hein? Le packaging, j'aime bien. Oh, j'aime beaucoup. C'est très sobre, mais c'est très mignon. J'aime beaucoup. Bon, j'ai pichité sur ma main. Ben, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est pas autant fruité que ce que je pensais. On voit ou pas? On voit pas tes bêtises. Refais. Voilà, là, on voit. C'est l'andouille. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On sent bien le cassis, je trouve. La passion, je le sens pas trop. Je vais remettre sur moi. On va voir ce qu'il va dire après ça. Je sais pas s'il va sentir quoi que ce soit. Arrête, toi, j'ai du nez quand même. Oui, c'est vrai qu'il a du nez en plus. Quand je mets un parfum ou quoi que j'ai pas d'habitude, il le sent. Non, j'aime bien. C'est plutôt agréable. Et du coup, ça, 50 ml, c'est vendu 30 euros. C'est pas donné quand même, je trouve, pour du Sephora. C'est d'autres parfums, hein. Ouais, c'est le parfum, c'est vrai. C'est cher le parfum de façon générale. Il est en train de faire ses oreilles. Il fait rire. Avec son coton-tige comme ça. Vous voyez ce que je vois? Non, mais c'est rigole, quoi. Vous voyez ce que je vois? C'est compliqué de se concentrer avec un truc comme ça qui fait ses oreilles. Non, mais la grande classe à Dallas, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a mon ventre et tout ça, Non, on là. voit pas ton Non, ventre. Est insupportable, oui. Allez, on mange, Samuel, j'ai faim. mais... Ouais, bah, faut que je m'habille avant. Oh là là, on n'est pas rendu là. On doit attendre. On est arrivé au parc de Marcanterre, c'est vraiment Marcanterre. Je pense que l'entrée est là-bas, on va aller voir. Mais tout le bois là, trop joli. On y va. Samuel, il fait son jour, il demande à des enfants où est l'entrée. C'est là-bas, Samuel. Demande à des enfants, il dit grave. T'as pas marre d'embêter le monde? Par où? Ah bon? On va aller voir, de toute façon, on est obligé de passer par là maintenant. On va faire le tour. J'adore ces arbres là comme ça, des forêts comme ça, un peu de pins. C'est des pins? Oui. J'aime bien. Exact. Est-ce qu'on les voit les pommes de pin? Oui, on les voit. Bon, c'est bon, on est rentré. On a nos On passe masques. à gauche et on fait tout droit. Maintenant, il y a écrit sens interdit. Il me fatigue. Il va être fatigant. On a pris des. On peut faire la location de jumelles comme ça. Tu nous observes?
Combien ça coûte l'entrée, Sam? 10 euros? Vous êtes trop près. Ouais, 10,50 €. Ouais, et 4 euros la location de jumelles. Je trouve pas ça hyper cher. On va voir après le parc comment c'est fait, tout ça, mais je trouve pas ça hyper cher. Donc il y a plusieurs parcours. On va essayer de voir pour faire le plus grand. A priori, là, les oiseaux, ils sont en période de migration. Et en fait, ils font une pause dans ce parc-là. C'est pour ça qu'on peut les observer. Ils ont pris l'habitude avec le temps, je sais pas trop pourquoi. On lira le petit fascicule plus tard. De faire une pause dans ce parc-là pour se reproduire et tout et tout. Voilà. Ça a l'air de bien grimper quand même. Hein. Je pense qu'on va bien être carpette à la fin. Faut juste mettre le masque quand on est dans les postes d'observation. Et y rester maximum 30 minutes. Il fait beau. Et ouais, pour l'instant il fait très beau, donc ça c'est cool parce que faire ça sous la pluie. Oh, t'imagines, on aurait fait ça sous la pluie hier? Non, on n'imagine pas, l'angoisse. C'est sympa. Bah ouais, là c'est mieux. Donc on avance et on va voir si on voit des oiseaux. On va vaincre ma peur parce que je peux vous dire que dans le fascicule déjà on voit les photos des oiseaux. Certains ils m'ont fait bien caguer, ils ont des becs plus longs que mon bras quoi. On va voir. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est agréable. Très agréable. Là, on est a priori au premier poste d'observation. C'est super beau. C'est très, 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 très beau. Et a priori, voilà, là-bas, il y a une guide qui parle. Ah, trop bien. J'adore. C'est vraiment sympa qu'ils aient fait des points comme ça d'observation. Ça, on n'embête pas les oiseaux. Ils sont du coup bien loin, donc ça me va. Et on les observe de loin, c'est sympa. Très chouette. Samuel l'observateur. Ouh ! Tu regardes les canards ? Ouais. Là-bas. Les oiseaux qui sont là. Juste là. C'est des canards. Les canards ? Oui, on les entend un peu. Non. Samuel a trouvé des mûres. Il a goûté, mais elles sont pas bonnes, il m'a dit. Elles sont acides. Moi, j'ai peur de goûter les choses comme ça. Toi, t'es... Hein... Bah, quand même, ça a une tête de mûre. Hein. On est dans une petite cabane pour observer. Et là, on les voit quand même d'assez près. Il y a plein d'oiseaux, là, sur la baie. Est-ce qu'on me voit? Oui, ça y est, on me voit. Ah, c'est sympa le parc, mais je suis super soif puisqu'on a laissé la bouteille d'eau dans la voiture pour pas la porter. Je suis en train de claquer parce qu'il n'y a rien en plus. Moi, je pensais qu'il allait y avoir, vous savez, des. Genre avec les toilettes, des petits cabanons où ils vendent de l'eau. Sprite. Oh putain, j'ai soif. J'ai tellement soif. Mais il n'y a rien à boire. Bon, par contre, au terme de parc, il est hyper sympa parce qu'en fait, les scientifiques sont aussi animateurs. C'est ce qu'il nous expliquait le dernier animateur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une équipe scientifique et une équipe d'animation à part. C'est eux qui font tout. Donc c'est hyper intéressant parce que finalement, ils nous donnent les données un peu scientifiques, vulgarisées, quoi. Mais moi, je trouve ça cool que ce soit les mêmes gens. Et là, on a vu, il y avait des... Comment ils s'appellent ces oiseaux-là? Des spatules. Voilà, il y en avait 400. Ça faisait très très peur. Heureusement, ils étaient très très loin. Posés comme ça sur un espèce de banc de sable. 400 bêtes. Horrible. Ils flippaient. Très beau. Pour ceux qui aiment les oiseaux. Oui, moi je flippe un peu quand même. Mais c'est intéressant. Franchement, je... même en ayant peur, c'est cool. Vous voyez? Mais j'ai soif. Sachez-le, j'ai très soif. Est-ce que vous voyez, il y a des grosses bêtes? Je vais me rapprocher. Je sais pas ce que c'est. C'est des buffles? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Pas trop fort, t'as peur? Mais arrête! Bah, on s'en fout! Ça a l'air, non? Ils ont... Il a des cornes, le marron, au fond, là! Oh, il fait flipper! Oh, libération, Diabolo fraise, bière, bouteille d'eau. On est content? Ça va, c'est clair.
C'est cool, on a trop soif. On est de retour à Berck-sur-Mer. Est-ce que vous voyez les écritures? Et les vrais savent quel est le parfum de ma glace? Pistache vanille, évidemment, la base. Et Samuel? Ouais. Mais t'as tout mangé? T'es sérieux? C'était quoi? Banane Nutella. La base, il m'a saoulé tellement avec son banane Nutella en glace italienne. Donc quand il l'a vu, il a pris direct, mais il a déjà tout bouffé. Ah ouais, il était vraiment nul le vendeur, c'est clair. Vraiment. Pas une serviette, que dalle. Ouais, ça devait être trop cher. Que ça dit? Il y a tout qui gicle. Il y a tout qui gicle. Par le dessous. Trop bon. Tu sais que je vais pas tout manger. Ah, ça va fondre. Non, donc j'ai pas tout mangé quand même. Un peu goûté. C'est bon, hein? Tu vois, tu te moquais de ma non-originalité, mais valeur sûre, la pistache vanille. Trop bon. Mes petits mâches, on est vendredi. On s'apprête à partir. On va à Holt. Holt, à côté du bois de la Cise. Attends, on va plus. Bois de Cise. Bois de Cise, je crois que ça se dit. On va voir. On s'est mis un peu en mode... parce qu'il fait très beau, on a de la chance, en fait. On s'attendait vraiment à avoir des jours de pluie de merde, puisque c'était ce qui était prévu. Ouais, bah ouais. Donc on va voir ce que ça va donner là-bas. A priori c'est des falaises en fait qu'il y a là-bas, donc je sais pas si ça va le faire genre en claquette. J'ai pris mes baskets au cas où, mais je sais pas si on est bien équipé. En tout cas on y va, on est à une heure et quelques là du gîte, donc on va passer la journée là-bas je pense. On vous embarque comme d'hab. On vient d'arriver, c'est juste trop beau. On se dépêche parce qu'il est 14h, qu'on a pas mangé, qu'on crève la dalle, mais c'est vraiment magnifique. J'adore, c'est trop trop beau. J'adore. Allez, on va manger. Sympa, et surtout là leur dessert tarte chocolat poire, magnifique. C'était chaud encore là. Samuel il est encore dans la bouche, il est dégoûté parce que je lui dis je vais manger deux crocs puis je vais te le donner, tu vois. Mais en fait j'en ai mangé beaucoup plus tellement c'était bon. Ah, c'était vraiment très bon. Là on va aller à la vue là. Ah, il y a une mouette juste devant, elle me fait flipper ma race. Attendez, je vous montre. Ouh, j'ai peur. Non, elle a pas peur du tout, effectivement. Elle est juste là. Vous la voyez? Je me rapproche, j'ai un peu peur. Pourquoi je fais ça? Elle me regarde, je crois. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui... Elle est en détente, elle a pas peur des gens. Hein. Tranquille la mouette. Elle te regarde. Oh putain, j'ai peur. Oh mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa tête bizarre? On sait pas ce qu'elle fait. Hein. En tout cas, la vue là-bas, elle est dingue. Y a rien. Oh, il lui donne à manger. Il fout, monsieur. Il a pas peur du tout la mouette. Ah, c'est incroyable. Elle me fait flipper, oui. Elle n'a pas l'air gentille. Tu crois? Non. Moi non plus, je crois pas. Elle fait très peur, cette mouette. Le monsieur n'a pas peur. Putain, mais elle a pas peur, hein. Elle va le chercher. Hein. Incroyable. Je suis un peu en kiff, hein. C'est beaucoup trop joli. Alors, le bruit là des vagues, c'est génial. Ah, j'adore. Ouais, quand même. Bien sûr, oui, Samuel. Ça manque de baignade là. Je crois que c'est la plage. Ouais. Il y en a qui n'ont pas tout compris, je pense. Ah mais c'est tellement beau. Les falaises sont dingues, c'est trop beau. Wow. On est en train de descendre. Il y a des vagues de ouf, il y a des vagues de dingue, je vais vous montrer.
C'est assez impressionnant quoi. Mais ça fait un peu peur. J'ai peur d'aller trop près, on va être tout mouillé. Oh, c'est trop beau. Attends. Bam! On adore! Ah ouais, c'est clair. Elles sont impressionnantes les vagues, c'est trop beau. Vous avez vu comme c'est beau? Est-ce que c'est trop beau, Samuel? Ça le fait. Ça va. On va faire aller me baigner dans les vagues. Bah vas-y, on t'attend, on te regarde même. Oh, il y a des rochers, petit chat. Crique, hein. Ouais, tu pourrais y aller facile là. Petite crique. Ouais. Contre le rocher, là. Bonne ambiance quoi. Si, si. Il en a marre de moi, un peu. Non? T'en as pas marre? Non. Ok. On est tout proche de l'eau. Genre là, on peut se faire mouiller. Samuel, il a fait un grand pas en arrière, espèce de cagueux, va. T'as peur, hein? T'as peur d'être mouillé? Menteur, t'as peur. Trouillard. Rien. Ah, ça arrive. Voilà, rien, ça allait pas mal, celle-là. Ouais, celle-là, elle est belle. Oulala. Oulala, on va se faire prendre en plein dans la gueule. Non, ça va. Non. Bah non, elle est pas si grande. Un peu quand même. C'est trop beau. Samuel, lâche pas le morceau. La petite crique. Samuel, il veut se baigner dans la petite crique qui est là-bas. Ici, c'est ça? Ouais. Ouais. Espèce de vous. J'arrête pas de crier parce qu'on est sur le chemin. Et ça fait des grosses vagues, et ça éclabousse, j'adore. Tu vas te faire mouiller, Samuel. Allez, des grosses vagues. Je suis une enfant, je suis en train de me régaler. C'est trop bien, j'adore. C'est trop beau. Tu vas être tout mouillé, Samuel. Il fait trop le beau gosse. Même pas peur. Il va être trempé. Je vous jure qu'il va être trempé. Il fait trop le beau gosse. Tout petit, tout trouillard. Tu vas casser la gueule, c'est clair. Il y a plein de galets par terre. Un tout petit peu, pas beaucoup. Sur le rocher. T'es toujours trop grande, on a toujours un problème de cadre. On avance. C'est trop joli, j'adore. J'aime beaucoup trop. Ouais. C'est super sauvage, c'est trop beau. Oh, il y en a eu une énorme. Mais bien sûr, je filmais pas pile poil quand c'était énorme. Oulala, oulala, on va se faire éclater là. J'adore. On a un petit peu avancé là. J'aimerais bien faire une photo là, mais c'est un peu dangereux, je crois. Je vais me retenir de faire la photo, je crois. Parce que les falaises, elles sont vraiment juste là. Donc genre, si je me posais là, ça serait beau. Mais il y a des moments où ça arrose tout, tout, tout. C'est un peu dangereux. C'est rare. T'as vraiment une grande gueule, toi. Hein. Ça se voit que c'est pas toi qui va poser. C'est là, c'est pas donné, non. Ah ah. Ah là, ça va donner. Vous voyez comment ça éclabousse? Comme il dit Samuel, c'est des feux d'artifice d'eau. On aime trop. Ce qui devait arriver est arrivé, hein. Je me suis trempé des pieds. Mais là, on est vraiment très proche de l'eau. Oh non, bah, non, non, mais non, faut que... Oui, non, mais j'ai peur. Ça va. C'est horrible l'eau quand même. Hein. Oh non, on va tout arroser. Ça va. On gère. Putain, allez, on s'en va de là. Non, on va pas trop se mettre. Ouais, on va monter aux falaises. C'est trop beau. Oui, c'est le vlog du c'est trop beau. Hein. Et que c'est trop marrant. J'adore. On est en train de monter les marches. Samuel est en train de craquer, donc il s'est mis à poil. Voilà. Attendez. On a déjà une super vue. Je suis déjà au bout de ma vie. J'ai plus de souffle. Allez, je monte. On grimpe, je pense que ça va être trop beau. Je pense. Petite pause sur le chemin. C'est trop beau. Mais j'ai plus de souffle.
Ah, mon canon. C'est trop beau. Allez, je repars, mais... Je fais pas assez de sport, les gars. J'ai plus de cardio. Mes petits moches, question existentielle du jour. Est-ce que la partie plus foncée là-bas, c'est des algues? C'est de l'ombre, des nuages ou je sais pas quoi? Qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Moi, je dis que c'est des algues. Dites-moi que j'ai raison, par principe. Non, les algues, elles sont là. Ouais, mais peut-être que si t'as beaucoup d'algues comme ça, là, comme les petits là, mais qu'il y en a plein. Tu vois, tu crois que c'est de l'ombre? Parce que les algues, c'est en bord de mer, c'est en pleine mer. Regarde, comment ça peut être de l'ombre avec du clair au milieu et tout? C'est bizarre. Bah, il fait pas cette taille là, hein, l'espace en bas. Hein. Ah oui, mais après c'est une perspective. Ouais. Est-ce qu'il a raison? Moi je pense qu'il a tort. Bon, en tout cas c'est trop beau. Attention que ça s'effrite pas. Samuel, hein. Il est un peu en angoisse. Oui. Il a peur que ça s'effrite et qu'on tombe. Je suis responsable de toi. Hein. Ah, pourquoi t'es responsable? Je suis responsable de moi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'en voir. Hein. Non, n'importe quoi. Vous voyez, on est vraiment au bord. Hein. Nos pieds sont là. Tic. Tic. Ça fait très peur. Ça fait peur, mais c'est beau. C'est très très beau. Arap, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis ça fait peur et tu te rapproches là. Qu'est-ce que tu fais, Samuel? Tu fais n'importe quoi. Arrête tes conneries. Ouais, je sais pas, hein. Mais ça fait peur. On se rapproche pas plus, t'emballe pas, recule. Voilà. Oui, donc t'emballe pas. C'est beau, très très beau. Ah oui, on a la réponse pour l'ombre, je suis très déçue de moi, hein. C'est les nuages. C'est les nuages qui font ça, parce que normalement c'est tout transparent d'après un monsieur qui habite ici qui avait très envie de parler avec nous. C'était sympa, on a discuté. Oui, la preuve, ça bouge et tout là-bas, là, l'ombre. C'est marrant que ça fasse ça, l'ombre des nuages, que ça soit si foncé sur l'eau. C'est dingue, hein. C'est très beau. Et là-bas, la lumière, là, elle est dingue. Ah, il y a notre pote la mouette. Ouais, ça me fait peur, ça on va reculer un peu parce que... Elles sont ralenties. D'ici. Ouais. On dirait trop que c'est au ralenti. Ah ouais. Alors que non. Non. C'est trop marrant. Ouais, c'est marrant ça. C'est beau. Trop beau. Promène au bord de la falaise. C'est si beau. Oui, ça aussi c'est beau. Les nuages sont très beaux. Oui, mais toi aussi. Ouais, c'est clair. On est beau gosse. Alors qu'on l'est pas en vrai. Hyper moche quand tu fais ça. Vas-y, montre-leur que t'es laid. Allez. Non, je le fais pas, je le fais que pour embêter Elodie. C'est pas vrai, tu le fais tout le temps, tu fais comme ça. Ah, oh, bah, ouais, donc tout le temps, d'accord. Pour te faire plaisir, parce que t'as beaucoup pas fait plaisir. Arrête de prendre tes rêves pour des réalités. Pas te casser tes trucs sur ta chaîne. Ouais, c'est ça, ouais, fais le mal. Faut oublier de couper au montage. Je vais rien couper, que dalle. Allez, fais un petit coup de beau gosse, vas-y. Non. Allez. Non. Fais pas ça, moi. Ah, menteur, non. Tu le fais tout le temps. Non. Si. T'es pas mignon. Oh, c'est beau ici. Regarde comme c'est beau. T'es trop trop beau. Je suis presque belle là comme ça. C'est dingue tellement le paysage est beau. Ouais, le paysage est très beau. Derrière. Non, vous avez apprécié l'instant du non. Il trouve le paysage non, très beau, mais moi par contre, on n'a rien à dire. Hein. Si, bah avec les cheveux et tout ça, mais les couleurs de. Bah oui. Oui, tout est beau sauf moi. Mais si, arrête. On sait pas. Dis pas ça sur YouTube, on garde l'intimité. On garde l'intimité que je te trouve très moche. Arrête, Je suis insupportable. Un peu. Je répondrai en off. Là, vous le voyez, ma petite sauterelle. Le panneau, il est juste là. Bah oui, on a failli mourir. C'était presque nous qui étions morts. Non, mais on se rapproche plus, ça y est, on a compris. On n'a pas été tout au bord, donc ça va. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il y a encore plein de chemins pour aller très très loin là-bas, mais ça suffit, hein. Samuel, il est pas chaud de toute façon.
Mytho, mytho, mytho. Alors on est redescendu en ville parce que j'ai envie d'une crêpe, alors que j'ai bouffé une tarte poire chocolat pour rappel. Et vous avez vu ce bâtiment là? C'est une église je pense, mais elle est impressionnante. Impressionnante. Et on va manger une crêpe. Voilà. Regardez, c'est sympa ce genre de panneau. Que l'on soit blanc, jaune, noir, marron, nous sommes tous français. J'aime bien. On va manger une crêpe. Regardez, c'est marée basse. Enfin, la mer, elle descend, quoi. Tout à l'heure, il y avait de l'eau partout, là où il n'y a plus d'eau. Vous voyez pas le sable, hein, tout à l'heure. C'est dingue, hein. On était très déçus de la crêpe que j'ai mangée, hein. Vraiment pas bonne, hein. Tout carton. Heureusement que là, c'est très, très beau. Oh. T'as dit que c'était un très gros coefficient aujourd'hui, 103, c'est le maxi. Non, j'ai pas dit. Et du coup, voilà. Elle descend jusqu'à 21h. Et là, il est que 17h35, donc elle va encore beaucoup descendre. C'est trop beau, trop trop beau. Mes petits moches, on est samedi matin. Je suis encore dans mon lit. Voilà, en t-shirt de dodo. Je vais clôturer le vlog là, je pense, parce qu'en fait, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Il va falloir quand même que je fasse la vidéo dans le sens où elle se construise. Ça met un certain temps. Et que d'ici quand même ce soir, je la mette sur YouTube. Le wifi est plutôt bon ici. Mais quand même, ça va mettre un certain temps. Il faut aussi que je fasse la miniature, la barre d'infos, tout ça, d'ici dimanche. Puisqu'on part demain. Et on part demain. Donc, ça va être compliqué. Donc, j'aurais bien aimé en fait qu'il y ait la sortie du jour d'aujourd'hui dans le vlog, mais il n'y aura pas. Ça sera la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur Saint-Valery, tout ça, en espérant qu'il ne fasse pas trop moche. Il y a quelques instants de pluie annoncés, on verra. On retourne au resto qu'on a adoré, au Vélocipède. On y retourne parce qu'on a vraiment trop aimé, donc on a réservé. Putain, j'ai hâte de remanger là-bas, mais ça a l'air. Enfin. C'est tellement bon, je vous jure que c'était vraiment super super bon. Faut vraiment y aller si vous êtes dans le coin. Au Vélocipède, c'est une merveille. J'ai adoré. Donc j'ai trop hâte, on y va. Et puis à 18h on a rendez-vous avec les phoques. Enfin on espère qu'il y aura des phoques. Parce qu'on a rendez-vous avec un guide et tout, pour faire la balade en baie de Somme et tout ça quoi, avec nos Air Max. On angoisse un peu, Samuel me casse la tête pour aller acheter du des sacs poubelles. Je sais pas comment ça va finir cette histoire. Est-ce qu'on aura des sacs poubelles ou pas de sacs poubelles à nos pieds? On ne sait pas. Ben voilà, ça c'est la journée un peu qui est prévue aujourd'hui. On va se promener et tout ça, et puis je pense que ça va être vachement bien. J'ai hâte. Et demain, bah, demain c'est dernier jour, dimanche, on rend le gîte le matin vers 11h, quelque chose comme ça. Et puis après on bouge, et en fait sur le retour on va s'arrêter à Amiens, et je pense qu'on va passer l'après-midi sur Amiens, enfin quelques heures sur Amiens pour visiter la cathédrale notamment. Et après on rentre voilà sur Paris, Samir prend le boulot demain, et moi je reprends mardi, puisque demain c'est mon jour de RH, puisque je bosse samedi matin, voilà vous savez tout. Il faut que je vous montre un truc avant de vous laisser. Hier soir on a commencé à regarder un film, j'ai fini par m'endormir parce que en ce moment en fait quoi qu'on mette en film je m'endors. Tellement je suis éclatée je pense, ou je sais pas, ça m'endort en ce moment les films. Donc je rouvre mon PC, je vais vous montrer le film. On regardait le film Le Nom de la Rose, pour celles et ceux qui connaissent, c'est un vieux film, moi je connais pas du tout. C'est un truc un peu d'enquête. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, Sam, c'est que c'était un film comique pour moi. Les premières images, on voit les coupes de cheveux des moines. Je m'en suis pas remise, il n'y a aucun respect, aucun respect capillaire dans ce film. Oh, c'est une catastrophe, je vous jure. Attendez, je tape mon code et je vais vous montrer un peu. Et vous allez peut-être me comprendre, j'espère, puisque je me suis sentie un peu... j'ai abusé, quoi. J'étais pété de rire pendant tout le film. Attendez, j'essaie de vous trouver une scène où on voit un peu les problèmes capillaires. Oh non, c'était très compliqué, très très compliqué. Oh là là, voilà, là on voit. Je vous montre. Est-ce qu'il y a un respect du moine là? Parce que tu peux faire un moine un peu chauve, mais là... on dirait des espèces de vers de terre dégueulasses qu'on lui a collé sur la tête. Vous avez vu, c'est même pas droit quoi. Tac tac, et le tac tac de... Non mais il n'y a pas de respect. Pas de respect du moine. Et ils sont tous différents, tous moches comme ça. Oh, horrible, horrible. Voilà. Donc je sais pas ce que vaut le film. Je pense qu'il est bien. Mais j'ai tellement rigolé que j'ai eu du mal à suivre l'histoire. Mais ça a l'air vraiment bien, hein, sinon. Je vais aller me préparer, c'est-à-dire prendre ma douche et m'habiller. Et puis on va y aller tranquillement, on va aller manger. J'ai hâte.
J'ai tellement envie de retourner dans ce restaurant. Parce qu'en fait, on n'a fait que ça, retourner dans les restos qu'on aimait bien. Parce que même à Berck, là où je vous ai montré, on a remangé une glace et tout ça à l'italienne, bah, le soir, on a remangé à la crêperie trop mignonne où on avait mangé à Rue Gourmande, je crois que ça s'appelait, ou un truc comme ça. On a remangé là-bas. Voilà, parce qu'on avait trop aimé. Donc, quand on aime bien, autant retourner dans les endroits qui sont bien, quoi. On va pas non plus découvrir à tout prix. Et là, le vélocipède, c'était tellement bon qu'on va y retourner clairement. J'ai hâte de voir la carte, je ne sais pas si ce sera la même ou pas, puisque je sais qu'ils peuvent changer comme ça régulièrement en fonction des arrivages, etc. Donc je ne sais pas ce que je vais manger, mais j'ai trop hâte. Oh, ma bouche a trop hâte. Vous avez vu mes ongles? Je crois que vous ne les ai pas montrés, je les ai faits avant de partir. Ils sont pas trop beaux ceux-là. Toujours les Kiss Impress, vous avez le lien dans la barre d'infos et tout. Merci d'ailleurs à toutes celles qui passent par mon lien affilié, ça me ramène une commission, donc merci beaucoup, c'est hyper gentil à vous. Moi je les kiffe toujours autant ces ongles-là. Puis alors ceux-là, ouais, Samuel il les aime trop en plus. Moi aussi je les aime. Ils sont vraiment très beaux. Bleu nuit comme ça. J'adore. Voilà. Là, on le dit pas très bien réveillé le matin. C'est pas très très top pour finir un vlog. Je vais vous laisser là, mes petits moches. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je sais que les endroits où on est à la mer, il y a beaucoup de vent et tout. Je suis désolée. Je sais pas trop comment faire pour faire mieux que ça. Et pareil, quand Sam parle et qu'il est un petit peu plus loin, on l'entend pas du tout. Ça me frustre grave quand je fais le montage. C'est vraiment relou. Si vous avez des micros à conseiller pour l'extérieur où on entend bien les gens qui protègent du bruit un petit peu, mais que surtout on entend tout le monde, celui qui est face au micro et puis celui qui est de l'autre côté par exemple, qu'on l'entende bien. Pour un téléphone portable, ça fait compliqué tout ça. N'hésitez pas à me dire, mais c'est compliqué de trouver un bon micro qui fasse tout ça. Enfin, moi, je sais pas quoi prendre en tout cas. Bref, je suis un peu frustrée, mais il y a des moments sympas dans le vlog, je pense. J'ai hâte de voir ce que vous allez retenir. Moi et Sam, on retient pas les mêmes choses du vlog. C'est ça qui est bon aussi. Et ce vlog, il nous fait plein de souvenirs, donc c'est trop bien. Voilà, on a passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous embrasse très fort, mes petits moches. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé le vlog, pensez au petit pouce. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la fin du séjour et pour le début du retour au travail et tout et tout. Je vous fais plein de bisous et le retour aussi de mes petits chats. Gros bisous, prenez soin de vous, mes petits moches. Bisous!